Salut à tous, c'est Wagiro. C'est parti pour la suite du let's play sur Days Gone. J'espère que la dernière vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à faire savoir dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la suite. Faut aller voir le colonel, je crois, je sais plus. Donc let's go. Je vais peut-être non. Par où, si je pense par là, du coup, on a retrouvé Sarah. Je sais pas comment ça va se passer avec elle. Peut-être qu'il va falloir faire 2-3 missions, et puis après, on va pouvoir lui parler. Mais en tout cas, ouais, je sais pas comment ça va se passer. Allez, go. En tout cas, si on l'a retrouvé, ça veut dire qu'on n'est pas très loin de la fin du jeu, non? Parce que c'était ça son objectif principal, retrouver Sarah. On va bien voir. Ça va peut-être approcher de la fin. Caporal St. John ? Oui, chef. Entrez. Je savourais une tisane gentiment offerte par le lieutenant Whittaker. Vous en voulez une ? C'est très bon pour la digestion. Non, merci, monsieur. Je cherchais juste le tableau des tâches. J'ai une mission pour vous. Des hommes, caporal. Même s'ils ne méritent plus ce nom. Ils ont enlevé l'une des nôtres. Le lieutenant Justin Norwood. Un très bon élément. Et ils la retiennent prisonnière, alors... Ok, j'irai la délivrer, colonel. C'est grâce à des hommes tels que vous qu'on reconquérera le monde. Rompez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça, c'est tout? C'est quoi ça? Demon Slayer, un bon soldat. Ok, bon bah on va peut-être prendre la moto déjà. Je sais pas où par où on passe. Par là, non, je sais pas. C'est quoi ça? Non, ça va pas être par là. Par là-bas, je pense, je sais pas. Par où on sort. Je sais pas ce que c'est, ça. Du coup. Non, c'est pas... si c'est par là. Non. Par où je reprends ma moto? Ouais, j'aimerais bien la reprendre. Du coup, c'est... On passe dans... Caporal St. John, il faut que je vous voie. Je suis à l'avant-poste de Diamond Lake. Bien reçu. Je viendrai dès que possible. Et ben, voilà. De toute façon, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Mais... J'aimerais bien savoir comment on y fait. Ouais, si, je pense qu'on était passé par là.
C'est un vrai labyrinthe. Honnêtement, je sais même pas par où je vais là. Ouais, si, je pense que c'est par là. Ok, c'est bon. Ah non, elle est là, ok. Hop. Juste mettre le marqueur là. Hop. J'ai cru qu'ils allaient pas ouvrir la barrière. Saint-John ! Caporal Saint-John ! Tu me reçois ? Hé, hey, est-ce qu'il marche le truc ou pas ? Je crois que le talkie marche pas. Si, il marche ton talkie, qu'est-ce que tu veux ? Deacon Saint-John ! Salut ! Je veux rien, je veux... Enfin... Je veux juste prendre des nouvelles, quoi. Je t'ai pas revu depuis la cérémonie des prestations de serment. C'était quelque chose, hein, ce truc-là. Taylor, je suis un peu occupé. Quoi? Et qu'est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce qu'il te faut faire? Hein? Moi, je suis dans l'infanterie. Je sais pas quelle autre connerie. Je passe mes journées à cramer des nids, à battre des arbres et à trimballer du bois. Alors je me demandais, toi, ils t'ont affecté où? À la recherche. Ils m'envoient dans le No Man's Land trouver du matos pour les officiers qui bossent sur les... Ah merde, ouais, j'en ai entendu parler, ouais, ils bossent sur des armes biologiques, des armes chimiques, des trucs dans le genre. Qui les crame tous, ces mutants, pas vrai? Bon, ouais, Taylor, faut que j'y aille. Ok, hey, attends, je voudrais te dire un truc. Écoute-moi, je commence à me poser des questions, tu vois, sur toute cette ambiance militaire, et je sais pas. Il est avec nous, Taylor. T'es sur quoi comme Toki? T'es sûr que personne peut t'entendre? Oh merde! C'est ce que je me disais, faut que j'y aille. Terminé. Ouais, ok. Caporal, parfait. J'ai une tâche nécessitant vos talents particuliers. Ouais, ok, chef. Vous vous rappelez Vasquez? Le déserteur? Ouais, on l'a suivi jusqu'à un camp de bûcherons, je m'en souviens. Eh bien, cet homme, le sergent Lee Anderson, était son partenaire. On s'apprêtait à l'arrêter quand il a tué un garde et pris la fuite. De vrais accros du code de l'honneur, vos hommes. Nos hommes? Vous êtes des nôtres dorénavant, vous avez oublié? J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Apparemment, comme Vasquez, il n'était pas seul. Génial. Eh ben allez, il va falloir aller le trouver. Du coup, est-ce que j'ai des munitions, je pense. Ok. Mais allez, c'est parti. J'ai le plein de la moto à 80%, ok. Allez, go. J'espère qu'il n'y aura pas trop de mutants là parce que j'ai pas en voir 2-3 là. Caporal Deacon Saint-John. Hey, tu m'entends mec? Hey. Taylor, qu'est-ce que tu veux? Ah bah te voilà. Ok, j'ai enfin compris comment faire marcher cet engin. J'ai trouvé un canal sécurisé et tout. Alors comment ça va vieux? Taylor, je suis un peu occupé pour l'instant alors.
Ouais, désolé. Petit, il paraît qu'il y a de la canne qui rentre dans mon corps. Sous du colonel, de la bonne canne en plus. Tu sais quelque chose à ce sujet? La canne, c'est pas mon truc, Taylor. Alors non, je sais rien à ce sujet. Pourquoi? Non, moi non plus, c'est pas mon truc. C'est juste que j'ai vu un mec, une des nouvelles recrues, se comporter bizarrement. Il entre et il sort du camp sans arrêt, alors je me suis dit que j'allais suivre, tu vois, pour essayer de savoir ce qu'il manigance. Putain de merde, Taylor, écoute-moi. Va plutôt parler à Corey, laisse-le s'en occuper, d'accord? Ouais, d'accord, c'est une très bonne idée, ouais. Ok, monsieur St. John, plus tard, ouais, terminé. Oh putain, Taylor, dans quoi tu vas t'embarquer? Je sais pas si j'ai assez de ferraille aussi. Ici Rado Librorego. La vérité vous libérera. Les fédéraux étaient des bébés pleurnichards nourris au... Capitaine Corey, je suis à l'endroit où le sergent Anderson a été vu pour la dernière fois. Bon, s'il l'a toujours, reprenez-lui son insigne de la milice, qu'il ne soit pas corrompu par un traître puant. C'est noté. Terminé. Ce que j'ai, c'est pour faire des carreaux et... Ouais. On va peut-être avancer jusqu'à là-bas. Peut-être laisser la moto là, je sais pas. Vas-y. Très bien, Anderson. Passons aux choses sérieuses. Où est-il? Oh, c'est quoi ça? Toi, tu vas bien me servir. Je pourrais peut-être fabriquer quelque chose avec, ouais, je sais pas. Bon, elle est où la cible? Il doit être quelque part dans le coin. Où est-ce qu'il est fourré? Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Ok, voyons ce qu'on a ici. Oh merde, des loups! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y en avoir qui vont se rameuter?
bien Noël. C'est ça. Bon, par où ? Oh putain, c'est Anderson qui traîne comme ça. Mais comment je vais récupérer ma prime, moi ? C'est clair. Comment on va retrouver ça ? Ça ramène tout ici. Ouais, je sais pas. Continuer là-bas, je sais pas. Tomber sur une meute, non ? Grotte de Dead Coyote. Avec un nom pareil, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ouais. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Il a été porté à mon attention que certains d'entre c'est vous les connards qui tendent des embuscades sur les routes du coin. Avec le Nero. Ce même Nero qu'on a récemment vu massacrer un groupe de survivants. Ce même Nero qui nous a abandonnés dans cette merde il y a 2 ans. Du coup, faut que je fasse quoi ? J'ai dans la grotte là ? À moi les primes. Quand là, vas-y. Putain. Non, t'es sérieux ? Putain, mais oh, j'ai pas le temps de shooter là. J'en ai besoin. Il est où l'autre ? Un autre enregistreur numéro. Note de terrain 1463.
Nous sommes sur le site 3-0. Un injecteur. La grosse garde et tout le bon matos. Un nom bien ironique, puisque nous y examinons le reste d'un canisme disputant. Les cavaleurs, comme on les appelle par ici. Hé, je voudrais interroger l'un de vous, les mecs. Les mecs? Ouais, ah. Les gars de la section de recherche. Je me sens déjà plus fort. C'est le virus pour, comment dire, sauter. Vous voulez dire comment il passe d'une espèce à l'autre? Ouais, on l'a vu sur des chats, des chiens, des oiseaux. Mmh. C'est fou. Je croyais pas que c'était possible. Savez-vous ce que c'est, une maladie neuro-invasive zoonotique virale? Non, aucune idée. Pensez à la rage. Tout comme le virus ou le gan, la rage se répand par un contact avec des fluides. La salive, le sang, le sperme. Oh, c'est dégueulasse. Et alors que le virus infecte essentiellement les mammifères, les cultures en laboratoire ont montré qu'il pouvait aussi infecter les oiseaux, les reptiles et même les insectes. Savez-vous combien il existe d'espèces de mammifères dans le monde? Beaucoup, j'imagine. Oui, beaucoup. 5488, pour être exact, suivant à qui vous demandez. Tout cela. Chat, lapin, chien, chevaux, oh. Oh. Renard, singe, marmotte. Être infecté et transmettre le virus. Qu'est-ce que ça signifie? Pour vous, je veux dire. Observez la musculature. Ils font mal, ceux-là. Le tubercule supraglénoïdien est gonflé et détendu. Les tubérosités de l'ulna est radiale. Un loup normal, il pourrait courir entre 50 et 60 km à l'heure. Celui-là, il pourrait atteindre les 100. Et il pourrait mâchouiller un pneu de moto en même temps. Ce que ça signifie pour nous, Caporal, c'est qu'on devrait s'estimer heureux que la plupart des mammifères soient en voie d'extinction. Mieux vaut que ce soit eux que nous. Allez, fichons le camp d'ici. Et du moment que c'est pas nous... Tu en as du monde, là. Ouais. Putain... Putain, mais oh, il fait mal. Après, l'arme de mêlée, elle est un peu... Peut-être un peu lourde. Du coup, c'est peut-être pour ça que... qu'il a du mal à les taper. Putain. Allez, bougez! Putain, j'étais en train de me soigner, là. Bah, je vais aller me chercher une autre arme, là, parce que celle-là, elle est pourrie. Capitaine Curry, je suis à l'endroit où le sergent Anderson a été vu pour la dernière fois. S'il l'a toujours, reprenez-lui son insigne de la milice, qu'il ne soit pas corrompu par un traître puant. C'est noté. Terminé. La ferraille, cool. Y a pas une batte, là? Ça peut m'être utile. Non. Là. Et est-ce que je peux fabriquer un truc? Bat, et ça il me faut quoi? De la ferraille 4? Vas-y, attends, je vais regarder. Un morceau de ferraille par là. Dans la maison là. Là, c'est quoi ça? Lame de scie. Écoute, on va fabriquer ça et puis on verra après. Allez, on va pas rester là.
107 ans. Soigné. Ok, déjà je les ai encore en deux coups comme les autres. Il y va un peu plus vite. Allez, viens là. Putain, je pas trop vite. Par contre, ils font mal, hein. Putain, mais grave. Allez, il faut trouver son insigne là et on se casse. C'est pareil pour tout le monde, pas vrai? Putain de Jesse Carlos Williamson. Repose en paix. Ouais, je veux bien. Mais par contre, il est où l'autre con, là, avec son insigne, là? Ça va être dessous, là? Bah ouais, en fait c'était de ce côté. Ça doit passer par là-dessous. Putain. Ça peut servir. C'est bon là, on l'a trouvé ou pas? Non, toujours pas. Putain, ça va être par là. J'espère que je vais pas tirer tout le monde. La vache. Non, c'est pas par là en plus. Putain, mais t'es sérieux? Par là, non?
Putain, mais je passe par où là? On va essayer de longer comme ça. Ah bah peut-être là, voilà. Si je me glisse par là. Putain. T'as toujours ton brassard dans la milice. Le bordel. Il est où le rageur? Peut-être que je peux le contourner. Ah ouais. Ouais, je vais essayer de le contourner parce que... Fais chier. Il m'a vu le con? Ouais. Je vais essayer de me casser. Vite à la moto. Allez, on se casse de là. Oh putain. Non. Allez, bouge là, putain! Putain de merde. J'ai évité le rageur, mais... Allez, venez là, là, bande de cons. Putain. Putain, je joue mal aujourd'hui, hein. Il devait y avoir le rageur, non? Bon, en espérant que les autres cons, là, ils sont pas encore là. Non, c'est bon. C'est quoi là? Quel côté? T'es à moi maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que je vais pas me faire shooter, quoi, c'est tout. Mais si. Tire. Il est touché. Rentre, saloperie. C'était eux en fait. Il est où le sniper? Il est là. Tiens. J'en ai plus besoin que toi. Il est là l'autre, je le cherchais. Bon bah allez, c'était juste ça.
Allez, on rentre là-bas. Et on passe à travers là. J'ai trouvé votre type, Anderson. Vous aviez raison, il avait toujours son insigne de la milice. Il est mort ? Disons qu'il a eu une altercation avec une meute de loups avant que je lui mette la main dessus. Le genre de mort que méritent les voleurs et les meurtriers. Oui, chef. Merci bien, caporal. Rompez. Bon, il n'y a rien d'autre à faire maintenant. C'est quoi ça déjà? Bon, on va aller faire ça. Peut-être qu'il leur donnera une mission entre deux. St. John. Vous voyez Taylor pour Deacon St. John. J'entends une moto. Me dis pas que t'es dans le No Man's Land en train de suivre ton trafic de drogue. Ok, ok. Je te le dis pas. Mais si, si. Putain de merde, Taylor. Tu vas te faire buter. Mais non, t'inquiète. Dis-moi, j'ai suivi un groupe sur l'autoroute, là. Autoroute 97. Non, c'était pendant la journée, il faisait beau, j'ai... Lieutenant Weaver, vous êtes là? Je suis à la mine. Parfait. Bon, j'étais à un œil. D'après le rapport que j'ai lu, il y avait des kits de test de minerais. Il vous en faudra un. Un kit de test de minerais. Bien compris. Le cinabre est rougeâtre, mais pas brillant. Il aura l'air terne. Vous ne pourrez pas le rater. Testez le minerai. Il doit être pur à 60% minimum. Ok, compris. Un kit de test. Où est-ce que je vais pouvoir trouver un kit de test de minerai? Peut-être dans une de ces remises. Non, rien ici. Et du coup, l'autre, il me parle plus. Dans la dernière. Je vais pouvoir rentrer ici. Si là. Pas. Et voilà, si. Un kit de test. Entrer dans la mine, d'accord.
savoir. J'espère qu'il n'y a pas de zombies là-dedans, quoi, c'est tout. De bruit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-moi deviner, plus d'essence? Ben voyons. Une pompe de minage. Il devait avoir des problèmes d'étanchéité déjà à l'époque. Je vais juste l'allumer. Vas-y, c'est bon, tais-toi. L'essence. Et voilà. Voilà. Ça va tirer tout le monde, non? Si la pompe marche encore. Ok. Faut que je regarde encore pour en trouver d'autres. J'ai plus d'armes de mêlée. Au moins que je puisse la réparer, non, même pas. Voyons voir son pourcentage de pureté. Ouais, il est juste assez pur. Ouais, encore un tout petit peu. Où est-ce qu'il y en a encore ?
passons au test. Ok, nickel. Allez, encore un ou deux échantillons. Encore deux. Putain, y a pas un bout de bois là pour que je fasse une arme. Encore du cinabre, super. C'est cool. C'est bon. Ça teste. Allez, plus qu'un. Allez, on récupère le dernier. C'est de quel côté ? Qui est juste là, non ? Du cinabre, ouais. Allez, montre-moi à quel point t'es pur. C'est bon pour celui-là. C'est bon ? On a fini ? Quitter la mine. Une cage d'ascenseur. Oh, la vache, je me demande où ça mène. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ouais, je vois rien. Ici, là, non? Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un autre tunnel. On dirait que celui-ci a été abandonné il y a un bon bout de temps. Ah, j'étais pas encore venu là. Tiens, une bête. Voyons voir. Lieutenant Weaver, ici Saint John. J'ai le cinabre que vous avez demandé. Saint John, parfait, parfait. Je suis presque prêt. Une seconde. Je peux vous aider, lieutenant ? Weaver, j'ai plus d'alcool isopropylique. Il vous en reste ? Ouais, j'ai une bouteille de vodka dans ma tente. Passez tout à l'heure. Vous abandonnez jamais. Allez, détendez-vous un peu. Allez vous faire foutre. Saint John, désolé pour ça. Bref. Déposez une minerai dès que vous pourrez. J'ai d'autres ingrédients à vous faire chercher. Terminé. Du coup... tiens, je vais essayer ça, allez. J'espère que j'aurai assez. C'est où qui m'emmène en fait? Ok, d'accord. Bon, on va là-bas puis on se quittera là-dessus. Caporal Saint-John. Taylor pour Deacon St. John. Wow. Oh, Taylor, j'entends une moto. Mais dis pas que t'es dans le No Man's Land en train de suivre ton trafic en drogue. Ok, ok. Je te le dis pas. Mais si, si. Putain de merde, Taylor. Tu vas te faire buter. Ah non, t'inquiète. Dis-moi, j'ai suivi un groupe sur l'autoroute, là. Autoroute 97 Non, 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 c'était pendant la journée, il faisait beau, j'ai pas vu un seul mutant. Et il y avait ce groupe de mecs, ils se sont arrêtés dans un gîte de montagne. Tu savais qu'il y avait un gîte dans le coin, toi ? Moi, pas du tout. Taylor,
C'est vachement bien là-bas. Si jamais je décide de changer d'horizon, c'est là que j'irai. Oh merde, il faut que je te laisse. Il s'arrête dans un autre camp. Terminé. Taylor. Taylor, oh putain, il va se faire tuer, ce crétin de bourne. Allez, on va là-bas. Deacon St. John pour le capitaine Corey. St. John pour Corey, répondez. St. John, je viens de parler au colonel. Il vous a affecté à la division de recherche. Capitaine, la division de recherche, j'imagine qu'on peut l'appeler comme ça, j'aide les lieutenants Weaver et Whittaker. Excellent, ils ont bien besoin de votre aide. Je vois pas trop en quoi, mais je fais juste office de coursier pour le moment. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous appelle. Le lieutenant Whittaker m'a donné un formulaire de réquisition pour de la levure. De la levure? Attendez une seconde. On a des patrouilles en mission de ravitaillement dans toute la région. Ils notent quand ils tombent sur des objets intéressants. Ouais, voilà. Ils ont repéré de la levure et d'autres ingrédients dans les cuisines du centre pour visiteurs de Crater Lake. Vous voyez où c'est? Ouais, je vais trouver. Bonne chance, caporal. Terminé. Lieutenant? Non, mec, vous pouvez laisser ça à la porte. Non, 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 non! Non, je parlais du protocole militaire. Ah. Ok. Je crois que j'ai ce que vous cherchiez. Ok, ouais, ouais. Ouais, c'est super. Hé, attendez une seconde. Tenez. Polystyrène. Ouais, vous savez, des trucs qui servaient à fabriquer des gobelets ou ensacher des cacahuètes, vous voyez? Ouais, je vois. Et en fait, comment ça s'est passé? Avec la sorcière de Wizard Island? Avec le lieutenant Whittaker? Wow. Je croyais qu'on avait dit d'oublier le protocole de minute. Ce sera tout, caporal. Ce sera tout. Bon, et bah écoutez, la prochaine fois on fera cette mission, on va se quitter là-dessus, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et à liker, allez, à plus les amis, ciao ciao.